Salut à tous les amis et bienvenue sur Arcavis Gaming pour ce second épisode sur Terraria. Alors la dernière fois j'avais commencé à explorer un petit peu le monde et puis je m'étais commencé une base, mais je m'étais vite rendu compte que mon personnage était en normal au niveau difficulté. J'en ai donc créé un nouveau, je l'ai appelé pareil. J'ai commencé un petit peu à explorer de mon côté sans vous. J'ai agrandi la base, je dirais ça. Donc je vais lancer la map et on se retrouve tout à l'heure. Me revoilà. Donc je vous passe à chaque fois le chargement parce qu'il est un peu long. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors cette petite maison, vous voyez la dernière fois j'avais juste mis le sol. Donc j'ai un petit peu agrandi en hauteur. J'ai pu faire cette maison pour l'étage là, cette petite petit appartement pour le PNJ qui s'appelle Cody. Donc il a plus le même nom que l'ancien guide, c'est normal, il est mort. Mais un autre est revenu à sa place. J'ai pu créer un coffre. Enfin, j'ai pris celui qu'on avait trouvé dans le coin. J'ai commencé à miner. Et ici, voilà, j'étais tombé en minant de la pierre sur cette mine. Donc je vais aller l'explorer avec vous. Et je veux... Ouais, c'est bon, j'ai assez de torches. Donc je vais y aller avec vous. Je vais juste voir. Voilà, si je peux pas poser mon argent. Voilà. Parce qu'il faut savoir que même en facile... en fait, je sais plus trop. Parce que je jouais sur l'ancienne version. Mais dans l'ancienne version, dès qu'on mourait, il n'y avait que l'argent qui tombait. Donc je le pose quand même. Au cas où. Donc on va aller explorer cette petite mine. Hop, voilà. J'ai des torches. J'espère qu'elle est profonde et assez grande quoi. Alors c'est un petit peu le même principe que sur Minecraft. Donc on creuse et puis des fois on tombe sur des mines naturelles comme ça. Donc là on a du cuivre. On va peut-être le miner tout de suite. Voilà. Donc vous verrez après je minerai plus vite, mais là c'est une pioche en cuivre endommagée, enfin minuscule, donc pour l'instant c'est pas top top. Mais après on aura des matériaux bien mieux, donc déjà avec du cuivre on pourra se faire une meilleure pioche, j'espère. Et puis après on verra avec d'autres matériaux. Donc là il y a de la... Ah, un coffre. Très bien. Je vais tuer ce slime. Voilà. Ah, j'ai enlevé ma torche. Voilà. Donc ça arrive souvent de croiser des coffres comme ça. Sous terre. J'arrive plus. Voilà. Donc on va le fouiller. Voilà. On va tout récupérer. Donc des potions, des turricaines. Un embout de lacet. Ça pourrait être utile pour certains crafts. Faudra aller demander au guide à quoi ça sert, mais je sais que c'est utile. Donc on va récupérer le coffre. Voilà. On va continuer à le descendre. Ah, bah c'est fini. On va quand même prendre ses pots. Parce que des fois il y a des trucs intéressants dedans. Bon, là il y avait juste des pièces. Bon, c'est déjà ça. Hop. Des ropes. Je sais pas vraiment. Enfin, je sais à quoi ça sert, mais j'en ai jamais compris. Enfin, j'ai jamais su m'en servir en fait. Bon, pour cette grotte, ça ira. Donc, comment je remonte moi maintenant? Donc là, ça va qu'il y a de l'arrière-plan. Donc des murs en fait. Donc je peux placer des petites... je sais pas comment on peut appeler ça. Des... Des petites... des petits étages, voilà. Des marches. Je vois pas du tout comment appeler ça. Ça s'appelle... Des plateformes. Voilà. Des plateformes. Logique. Donc je vais aller un petit peu fondre le cuivre que j'ai trouvé. Donc,
Donc, depuis une certaine version, le menu est très lent. C'est un petit peu chiant. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. C'est déjà ça, 5 petits lingots. Le cuivre, on peut pas en faire grand-chose. Donc, je vais me faire... Il fait combien mon épée? 4 de dégâts. Ah. Être non qu'une défense épée longue épée courte très rapide mais que 5 de dégâts et 8 de dégâts mais rapide seulement Je vais prendre celle-là parce qu'en plus elle a un recul moyen contrairement à l'autre que c'est faible donc dégâts plus 12%, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que, entre parenthèses, vous voyez, il y a marqué mortel. Ça dépend en fait quand on les craft. Il y a différents types à chaque fois d'épées. Ou de pioche, par exemple, là c'est minuscule, robuste. Elle c'est légère. Ah tiens. Voilà. Déjà celle-là est mieux. Robuste. Ouais, bon, celle que j'ai équipée sur moi est mieux. Donc l'épée que je viens de me crafter est beaucoup mieux. Parce que je suis pas obligé de piquer comme je sais pas comment. Donc là vous voyez je peux faire le tour comme ça. Et c'est beaucoup mieux. Donc je vais un petit peu creuser. Je vais aller assez loin. Je sais pas. Je sais pas si on peut voir l'altitude. Non, j'ai pas d'altimètre. Donc je vais creuser. Et puis dès que j'aurai fait à peu près ce que je veux, bah je vous reprends. Donc je vous laisse. Allez, à toutes. Re tout le monde. Alors mon objectif c'était de créer un puits et ensuite d'en recréer un, mais à l'horizontale. Et je viens de tomber sur une nouvelle grotte. Donc c'est reparti. Donc c'est de la musique du jour que vous entendez, mais des survivants de la nuit sont restés dans cette mine. Donc bon, je me fais défoncer, comme d'habitude, on va dire. Des survivants de la nuit sont restés dans cette mine, donc j'aurais dû attendre de remonter puis de redescendre une fois qu'ils aient despawné. Mais j'ai préféré mourir, voilà. On va dire que c'était fait exprès. Je préfère les slimes déjà. À mon niveau, c'est mieux. Donc on va aller le défoncer. Oh. Bon, on va pas y aller. Donc avec un peu de chance, peut-être que... Voilà, les mobs auront disparu. On va mettre quelques torches. Le plus loin possible, voilà. On va mettre une plateforme ici. Non, trop. Voilà. Histoire de prolonger ce que j'avais commencé. Ah ben non, c'était à la bonne hauteur. Donc voilà. Ah. Les petites toiles d'araignée qui bloquaient la lumière. Voilà. C'est mieux quand je suis en dessous, parce qu'avec cette épée, on peut pas frapper quand on est au-dessus. C'est bon. Des avantages, certes, mais comme je dis, on aura mieux. Ah, les pièces. On éclaire tout ça, hop. On pose des torches. Et je vais reprendre le puits un instant. Je mine un petit peu. Je casse les petits pots. Bon, de l'argent. C'est ce qui revient assez souvent quand même. Voilà. Donc j'essaie de rester dans l'alignement. Après je ferai des puits qui auront aucun rapport. Mais pour l'instant j'essaie de créer un puits principal.
Comme ça, après, si je veux aller dans l'enfer vers quand j'aurai de bonnes armures et peut-être le fer à cheval, j'enlèverai toutes les plateformes et puis je sauterai directement. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc je vais vous laisser à présent. Et puis, dès que je tomberai sur une autre grotte, je reprendrai la caméra. Allez, à toutes. Donc, me revoilà en fait. Finalement, j'ai creusé à peine 3 étages. Même pas. Et je viens d'apercevoir ici, là, une source de lumière. Donc, je vais m'y rendre. Je vais pas m'y rendre à partir du fond de mon trou parce qu'il y a de l'eau. Je vais m'y rendre par là. J'espère que ce sera intéressant. Et ça m'étonnerait que ce soit de la lave à cette profondeur. Donc, ça ne peut être qu'intéressant. Ah. Je pensais pas du tout à ça en fait. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire dès qu'on sera arrivé. Ah, parfait. Je tombe sur une petite grotte encore une fois. Donc il y en a partout, hein. On va mettre une torche, histoire d'y voir un peu plus clair. Donc apparemment il y a beaucoup de cuivre. Donc je vais pas forcément tout ramasser tout de suite. Même si celui-là, voilà, on va le ramasser maintenant. Mais je vois apparemment qu'il y en a beaucoup. Donc ça, qu'est-ce que c'est ce truc rouge? C'est un hôtel démoniaque spécifique à sa corruption. Donc ici, je sais que sur cette map, ce sera une corruption couleur rouge, je sais plus trop le nom. J'irai voir. Donc dans l'ancienne version, il existait seulement la corruption couleur à peu près gris-violette. Et avec la nouvelle version, ils ont créé cette nouvelle corruption rouge avec des nouveaux monstres, des nouveaux boss. Donc quand on s'en approche, on peut créer de nouvelles... Normalement, il y a de nouveaux crafts quand on s'en approche, donc c'est comme un meuble. Je sais pas si j'ai... Non, je dois pas avoir sur moi ce qu'il faut pour en crafter un. Donc ça produit de la lumière, mais on peut pas les casser. Normalement. Non, on peut pas. Mais si j'en trouve un ici, c'est peut-être que je suis proche d'une corruption. En minant, je me suis rendu compte qu'il y avait encore une petite grotte sous l'endroit que je venais d'explorer, c'est-à-dire juste là. Je vais continuer à creuser un petit peu mon puits. Et on va sûrement tomber dessus si elle se prolonge un petit peu. Je vois également une lumière. Sûrement une... Ouais, voilà, une méduse. Deux méduses même. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce puits? Dans cette petite mine? On va quand même aller voir. Ça coûte rien. Apparemment, ce slime s'éclate dans l'eau. Voilà, on va attendre. Je sais pas si celui-là, vu qu'il est un peu gros, je sais pas s'il se divise pas quand il meurt. Non, c'est bon. Allez, petite méduse. Elles font mal. Une petite lumière, voilà. Y a rien au fond. Hop. Voilà. Donc on va un petit peu continuer à creuser. Oui. Juste en dessous de ce lac souterrain,
Je vais me faire mon puits à l'horizontale. Comme ça. Oh merde, il y a du sable. Donc le sable subit la gravité. Ouais, sur une torche parce que j'y vois absolument rien. Et sur YouTube, ça va rendre vraiment moche. Ah ouais, d'accord. Ça va être embêtant. Voilà. Je sais plus si ça marche encore de faire ça. Ah, ça marche. Ah non. Ça ne marche plus. C'est con, mais ça marche plus. Tant pis. Donc je vais fermer tout ce que je peux, voilà. Ah, moi qui pensais tomber sur quelque chose d'intéressant. Pouvoir faire mon puits à l'horizontale en dessous de ce lac d'eau. Bon. L'eau, c'est déjà ça en moins. Je vais aller la virer définitivement. On y voit de nouveau rien. Hop. Lumière. Non. Lumière, voilà. Ah. Ah, parfait. Ah, c'est parfait. Alors ça, en dessous, je crois... Du platinium. Ah mince. Je pensais que c'était de l'argent ou du... Non, pas du fer, mais oui, de l'argent, je pensais. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a là? Encore du platinium. Platinium, c'est ça? Oui. Je vais le prendre quand même. Je sais pas ce que ça vaut. J'aimerais que ce soit aussi intéressant que le fer ou l'argent. Même mieux peut-être. C'est possible que ce soit mieux. Comme ça on pourrait se faire peut-être une armure. Je pourrais me faire une armure ou des meilleurs ah merde. Voilà. Des meilleurs équipements. Parce que ce que j'ai là c'est pas top top. Donc on continue à descendre, hein. Tant pis. Une cavité, enfin. Je me retrouve sans cette eau. Hop. Je vais peut-être pouvoir faire mon puits à l'horizontale, enfin. Ah, d'accord, il n'y a plus de décor en arrière-plan. Ah. Je vais essayer de mettre... Ah, oh, j'y arrive pas. J'essaie de mettre une torche, voilà. Ah oui. Bon, tant pis. Bon, j'ai mis ma torche, c'est déjà ça. Je vais arrêter ça parce que... Voilà. Non. Voilà. C'est un petit peu saoulant. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour détruire ça? Je vais me faire un établi. Je vais me faire une petite base provisoire. Ça c'est intéressant, une manille. Plus 3% de dégâts et 1 de défense. Je vais le mettre dans social. Non, équipement. Non, là. Est-ce que ça agit? Non, là on le voit juste. Équipé social, donc je vais le mettre là. Est-ce que c'est possible de pas le voir? Non, tant pis. Donc je vais me faire avec cet établi. Non, c'est pas avec l'établi, mince. Ah, c'est pas avec les. Ah, mais je l'ai pas posé, c'est normal.
J'espère tout de même que c'est avec l'établi. Hop, je le pose. Donc je peux me faire un fourneau déjà, donc voilà. Un marteau en bois. Voilà. Marteau en bois, ça peut être utile. Donc déjà, je vais vérifier. Ah ben, bon. Le marteau servait à rien. Donc ces cœurs là, qu'est-ce que c'est? Alors c'est en fait, c'est pour se rajouter de la vie. Pas pour la régénérer, pour augmenter justement la barre de vie en fait. Donc je vais pouvoir les prendre, hop. Et hop. Donc là, chaque cœur correspond à 20 points de vie. Je crois. Donc c'est pas mal. Normalement, je crois que le jeu permet d'aller jusqu'à 500. Donc 500, c'est pas mal. Donc il y a ceux-là, enfin ces cœurs-là qui permettent d'aller jusqu'à 200. Et puis après, il y a d'autres cœurs qu'on trouve dans la jungle principalement, qui sont verts et qui se rajoutent par-dessus, qui font 20 vies également. L'arrière-plan a changé de couleur là. Là où je suis là, il a changé de couleur parce que la profondeur est différente. Mais là, il change, mais je sais pas pourquoi. Une petite pièce spéciale. Donc, je le tue. Je sais pas ce que j'ai gagné dans ce pot. Bon, c'est déjà ça. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ça doit être juste des pièces. Bon, les tombes, ça me sert à rien. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Ça se prolonge ou... Oui. On va descendre ici. Hop là. On va mettre des torches un peu partout. Alors ce que j'entends là, c'est un verre en fait. Voilà. C'est pas le mob le plus stylé, mais c'est sympa. Moi j'aime bien. Je sais pas s'il va pas me tuer en fait. Parce que j'ai pas beaucoup d'équipement. Voilà. Bon ça va. J'imaginais plus dur que ça. D'après mes souvenirs, mais... Après, il y a des choses qui ont pu changer avec la mise à jour, mais... Pour l'instant, ça me va. Alors, j'aimerais faire partir l'eau. Pourquoi ? Parce que là, c'est un peu chiant pour monter. On va faire comme ça. Hop. Parce que dans l'eau, je peux sauter qu'une fois. Voilà, je peux pas nager. Je pourrais à l'avenir, mais pas pour l'instant. Donc pour l'instant, en fait, je m'enfonce dans les profondeurs de Terraria. Mais j'ai abandonné, en fait, mon puits. C'est pas grave. Ah, quelque chose en dessous. On va passer par là-bas. Cette eau en dessous de ma maison va vite être gênante, mais c'est pas grave. On pourra la retirer plus tard. Avec des seaux. Je sais pas comment on fera. Je sais qu'il existe des pompes avec la nouvelle version. Hop. On va aller tuer la méduse. Ça va. Et on va reprendre le puits que j'étais en train de faire là. À droite. Pour aller en dessous. Hop, un pas. Ouais, c'est mieux. Et
On va essayer de miner vite. Hop. Donc j'ai vu une méduse, donc un peu de lumière aussi. Enfin, elle est produite par la méduse, mais voilà. Donc là déjà je peux respirer, c'est ça. Ah oui, forcément. J'en mets deux parce que je sais pas s'il n'y en a pas une qui va être engloutie en fait. Ah, un cœur. Ah. Ma torche, je l'ai minée, c'est ça. Hein. J'ai miné ma torche. C'est pas grave. Ah, mais qu'est-ce que je fais? On va éliminer ce cœur. Histoire de s'ajouter 20 vies. Hop. Cristal de vie. Ah, voilà. Donc, les toiles d'araignée vont être utiles pour faire de la laine. Donc. Juste là, vous pouvez voir un tout petit slime. Un pinky. Bon, ils sont assez rares. Comme slime, ils sont assez rares. Et ils sont... Je crois que c'est les plus forts des slimes. Quoique. Ouais, on va voir ça tout de suite. 45, le jaune. Et le rouge. 35. Oula. Oulala. Je sais pas ce qui s'est passé d'un coup. En fait, les slimes rouges étaient beaucoup. Ça m'a surpris d'un coup. Me tue pas. Continue comme ça. Ah, je vois qu'en dessous, l'arrière-plan change encore. Donc, c'est-à-dire qu'on est encore plus profond. On n'atteindra sûrement pas l'enfer dès aujourd'hui. Et heureusement, parce que sinon la série ne durerait pas longtemps. Mais voilà, c'était juste histoire de vous faire découvrir un petit peu le monde de Terraria. Voilà, parfait. Alors, est-ce que je me jette? Oui. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un champignon. Je sais pas. Le décor. Je place des torches un peu partout. Je sais pas si on peut en placer. Je sais pas si je peux en placer sur cet arrière-plan. Non. Voilà. Parfait. Je vais essayer de mettre une petite torche en haut. Histoire d'y voir un peu mieux. Voilà. Toc toc toc. Ah oui, c'est clair, pas sous l'eau, forcément. Donc il y a un petit pot. Est-ce que je vais pouvoir vider l'eau par là? Oui, ça marche. Qu'est-ce que c'est que ce minerai? Est-ce que c'est de l'argent? Ou est-ce que c'est du platinium? Encore de l'eau. Oh. Ouais, je crois que c'est du platinium. Hop, petite lumière. Ah. Je viens de voir quelque chose de un peu plus intéressant. Ça sert pas à grand chose, mais c'est joli. Du topaz. En fait, c'est juste des petits gemmes. Bon, après on pourra se faire des sabres laser et tout avec, mais on n'y est pas encore. Hop. J'ai cassé ma torche forcément. Hop. Il y en a au-dessus aussi. Je vais essayer de miner ça. Hop. Allez.
Alors ça c'est quoi? C'est de l'argent, très bien. Donc l'argent c'est pas mal. Je sais pas si c'est mieux ou pas que le platinium. Mais on fera avec. Hop. Et je vais essayer de vider l'eau. Ah, je peux pas. Voilà. Comme ça je pourrais respirer en minant. Et je crois que je mine plus vite. La mécanique de jeu est similaire à celle de Minecraft. Ah non. Je sais pas où je suis, je sais pas où je suis. Des piranhas. Tiens. Alors toi la chauve-souris. Voilà. Hop. De la lumière partout. Ça empêche pas les mobs de popper. Mais ça permet de mieux voir, c'est déjà ça. J'entends quelque chose qui queen, mais... Oh! D'accord, alors en fait, je suis dans le biome toundra souterraine. Donc c'est un biome neige. Un biome neige, c'est sympathique. Je sais pas si j'aurai l'occasion de vous montrer des mobs. Ah donc le queen c'est sûrement un pingouin alors. Hop. Je sais pas si ça va regeler. Non. Très bien. Ah c'est pas mal ça. Pas mal, mais ça me fait chier. Ah. C'est quoi, c'est là la lave en dessous? Tac tac tac. En fait, cette grotte délimite le monde normal du la toundra. Donc c'est pas mal. Je sais où c'est que je peux en trouver maintenant. Si j'ai besoin de quelque chose de spécial. De la toundra, je sais où venir. Hop, on va monter peut-être. J'aurais bien aimé trouver des petits donjons. Ça aurait pu être sympa. Par contre, je sais qu'il y a une corruption pas loin de chez nous. Donc on pourra y aller au prochain épisode sûrement. Est-ce que c'est possible d'arrêter ce bruit d'eau? Évidemment. Hop. C'est mieux. C'est beaucoup mieux sans le bruit d'eau qui coule. Voilà, on charge la carte. Je vais vous montrer juste avant peut-être la fin de l'épisode les différentes cartes. Alors là j'ai mis celle-là. Ah oui, c'est celle-là que j'ai d'activer. Alors, celle-là, c'est quoi? Ah oui, alors celle-là, c'est celle pendant qu'on joue. Ah merde, j'ai activé la pause automatique. Celle-là, c'est celle pendant qu'on joue. C'est un petit peu gênant. Celle-là, c'est celle que j'ai. Hop, celle-là, c'est quoi? Pas de carte du tout. Ok. Et celle-là, c'est la map normale. Hop. Normalement je peux zoomer, voilà. Donc elle est grande. Et à l'arrière c'est une image comme ça. Un petit peu en rapport avec le lieu où on se situe. Donc là on est même pas à mi-chemin. On est à un tiers de la profondeur d'une map. On a exploré tout ça.
Donc pour un second épisode, c'est déjà pas mal. Peut-être la prochaine fois, on ira. On est allé jusqu'à là-bas la dernière fois? Ben, on ira par là. Et voir peut-être où se trouve cette corruption. C'était là qu'on avait trouvé, voilà. Crimson Altar. Donc c'est un hôtel Crimson. Donc c'est peut-être le Chris Crim. Je sais pas, Crimson. Je sais pas du tout le nom de cette corruption. Enfin, c'est pas grave. Comment je peux faire moi? Où je suis? Où suis-je? Ouais. Ouais, je vais faire ça. Je vais rejoindre le puits d'origine. Je mine un peu et on se retrouve tout à l'heure. Donc j'ai fini mon petit tunnel. Bon voilà, c'était court finalement. Je viens de tomber sur cette grotte que j'explorerai plus tard. On va peut-être se terminer sur ça d'ailleurs. Je crois qu'on a 40 minutes de vidéo. Ah. Ouais, je suis pas en position d'avantage, je sais même pas où je vais. Ouais, je vais sûrement mourir ici. Voilà. Ça m'avantage finalement parce que je savais pas comment remonter. On va attendre de respawn. Voilà. Combien j'ai d'argent sur moi? À peine 4. On va tout mettre dans le coffre, ça ira très bien. Hop là. C'est tout pour aujourd'hui, maintenant que j'ai fait mon petit rangement. Donc on va se laisser sur ça. Et puis, à bientôt pour le prochain épisode, je vous dirai. Allez, bisous, à plus. Allez, chante! Au fond de cette boîte, chante Sabine en